pourquoi un tutoriel sur l'encadrement des cordées autonomes? Parce que l'autonomie en alpinisme, ça s'apprend. Alors ça peut s'apprendre sous la responsabilité soit d'un guide, soit avec la FFME, la FFCAM, des associations telles que l'UCPA, mais aussi avec des guides indépendants ou dans le cadre de stages organisés par du bureau des guides, des compagnies de bureau des guides. Il faut que ça soit bien expliqué par l'organisateur. L'organisateur doit être assez clair avec... Il y a un contrat de responsabilité et d'information de l'organisateur qui doit informer le participant des risques que comporte ce style d'apprentissage. Le principe de l'UCPA, le stage, quel que soit le stage et le niveau que vous avez, on essaie ici de vous donner de l'autonomie. Bonjour. Eric, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais, tout d'accord. À fait. Ouais. Bah, je t'ai contacté, donc tu es prêt à encadrer pour nous. Ouais. Voilà, est-ce que tu as reçu mes documents, Eric? Ouais, j'ai reçu le document, mais justement, j'avais deux, trois petites questions. D'accord. Tu peux savoir, parce que moi j'ai déjà fait de la collectivité, j'ai déjà travaillé en collectivité, mais jamais à l'UCPA. Jamais à l'UCPA. Alors je vais un petit peu en quelques mots t'expliquer comment on fonctionne. Ouais. Tu vas avoir déjà 5 personnes. Donc j'ai 5 personnes. 5 personnes, donc c'est-à-dire ces 5 personnes, tu vas avoir une personne avec toi et deux cordées autonomes. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, je me présente, je m'appelle Eric Brèche et c'est moi qui va être votre guide pour la semaine. Alors bonjour, moi je m'appelle Élise et je suis monitrice d'escalade et je pratique la montagne, je commence un peu et voilà, j'aimerais bien faire plus régulièrement. Moi c'est Camille. J'ai un petit peu l'habitude d'en faire, mais surtout en seconde en fait. C'est Thibaut et en fait je pratique de la montagne avec des amis, habituellement ça fait 3-4 ans. Et là j'aimerais être un peu plus autonome sur des courses peut-être un peu plus difficiles. Et sinon, j'aimerais bien faire la rade de Rochefort. Ouais, pourquoi pas. Patrick, salut. Eric, salut. Voilà, écoute, figure-toi que je viens de voir mes stagiaires, j'ai discuté avec eux. D'accord. Par rapport au sujet du programme. Et puis j'ai vu leurs fiches et disons, j'en ai au moins deux ou trois là qui vont vraiment bien. Alors aujourd'hui, en effet, on va aller grimper faire un petit tour en escalade au Gaillan. Et je voulais savoir si c'était possible d'aller faire les arêtes de Rochefort. Les arêtes de Rochefort? Ouais. Ah non, là, Eric, là, je te stoppe tout de suite. Les arêtes de Rochefort, on n'y pense plus. Hein, d'accord? Donc, vu le niveau qu'ils ont, moi j'ai observé un petit peu les courses qu'ils ont faites. Ouais. Donc, il y a de quoi faire sans aller aux arêtes de Rochefort. Ouais. Hein, d'accord. Ouais. Ce n'est pas fait pour des cordées autonomes et notamment à 5 personnes. Quoi. Hein, on est bien d'accord. D'accord. Ça, c'est exclu. Ok. Hein, okay, on exclut. Voilà. Donc, ouais. Moi je te conseille, écoute, fais déjà cette première journée, vérifie leur niveau technique, ouais. Hein, leur capacité, etc. Ouais. Assimiler tout ce que tu vas leur dire. Après, tu auras une école de glace demain, une course d'application le surlendemain. Après, viens me voir, hein, on va discuter de ton choix, de la course, tu discutes aussi avec eux, d'accord, hein, d'accord. Et voilà, il faut voir vraiment à la baisse ce genre de truc. Donc, quels que soient les stages proposés, le guide se doit impérativement d'évaluer le niveau réel des stagiaires. Donc, c'est ce qu'on appelle une évaluation initiale. Il y a un double objectif, c'est d'une part d'évaluer le niveau technique des stagiaires, mais aussi de se mettre d'accord sur un protocole de sécurité qui soit commun, qui soit connu et reconnu par l'ensemble du groupe. Et cette évaluation initiale peut se faire sous différentes formes, soit sous forme de petites écoles, des écoles de rochers, de neige ou de glace, et puis ça peut évoluer aussi sur des petites courses d'application. On va choisir des courses courtes pour que justement le stagiaire puisse répéter des manœuvres nouvelles peut-être pour lui. Et donc les mots-clés pour ce type d'évaluation initiale, c'est la progressivité dans le niveau de difficulté et puis aussi la progressivité dans la responsabilisation du stagiaire, dans la responsabilisation qu'on va lui demander au fur et à mesure du stage. On va revoir un petit peu voir où vous en êtes au niveau de votre niveau technique. On va revoir toutes les techniques de sécurité, que ce soit l'encordement, que ce soit l'assurage, les rappels et la communication dans le groupe. On va s'orienter plutôt côté montagne, donc on ne va pas grimper en moulinette, vous êtes déjà tous autonomes de ce côté-là, vous savez grimper en tête, on va le vérifier. On va déjà commencer par faire
une voie là en utilisant les points, d'accord, en mettant des dégaines. Et puis ensuite, on essaiera de faire la même chose en mettant des points, soit des freins, soit des coinceurs, d'accord. On verra aussi les relais et bien sûr aussi la descente en rappel. Voilà, tiens, mettez deux mains en dessous. Voilà, très bien. Utilise un peu de voix, hein. Vas-y, tu peux y aller. Calme, je suis vaché. Voilà. Ben moi, cette école de neige, enfin cette petite promenade sur la neige, là, nous permet, enfin, va me permettre surtout de voir un petit peu votre niveau et de voir où vous en êtes en maîtrise la marche en neige, d'accord. On fera ça bien sûr en chaussures. Ensuite, on mettra les crampons, on verra avec le piolet, on verra tout ça. Et ça pourra nous permettre aussi. C'est un élément qui permettra un peu de choisir la course fin du stage. Ok. Ok. La difficulté abordée avec les stagiaires, elle est plutôt à la baisse. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que les gens pratiquent par eux-mêmes, hein, si possible. Ouais, c'est toi qui les auras évalués. Ouais. Et ensuite, bien déterminer également le temps que tu vas mettre dans une voie, etc., qui est parfois multiplié par deux, voire par trois. Donc ça, c'est objectif à la baisse. Hein, d'accord, okay, okay, ouais, d'accord. Voilà, dans la difficulté et au niveau du temps. Okay. Moi, j'aimerais plutôt te conseiller, j'ai un petit truc qu'on fait assez souvent et qui est assez complet, ouais. C'est peut-être la traversée des pointes lachenales. Tu as déjà fait, je suppose. D'accord, pour ouais. Donc ça, ça serait pour le vendredi, ouais. Quoi. Hein. Voilà, pour ouais. Le vendredi. Ouais. Hein, d'accord. Alors, ouais. Bon, éventuellement, tu peux monter le jeudi hein, en refuge. Ouais. Hein, d'accord. Peut-être l'arête qui conduit au refuge des Cosmiques, l'arête à Laurence. Ouais, ouais, je vois. Hein, pour je compléter, vois. Ça te fait une petite mise en forme déjà la veille. Ouais, pour les faire demain, voilà. Ouais, je pense que là c'est pas mal déjà, ouais. Ouais. C'est pas mal. Tu connais ces secteurs, ouais. Ouais, je vois un petit peu. J'ai d'accord. Déjà traîné un peu. Et là, je pense que bon, c'est peut-être un peu en dessous du niveau de certains, mais bon, ils vont bien travailler là-dessus et être au niveau pour la pointe nationale. Vous avez vu que l'arête, elle est quand même très très fine, là. Donc, ce qu'on va faire pour la descente, c'est que moi, je vais déjà partir avec Élise, Mathieu. Et Thibaut, et puis toi par contre Camille et Mickaël, vous m'attendez ici. Okay. Ok, ça marche. On se prépare en attendant. Voilà, exactement, vous mettez vos crampons tranquillement, vous mettez la corde déjà si vous voulez. Vous restez bien là, hein. vous bougez pas d'ici. Thibaut, tu vas t'arrêter là, parce que là on arrive donc sur le glacier, on vient de finir l'arête et on va changer l'encordement. Ok, là ce qu'on fait, là, on arrête la progression en autonomie parce que là, vous avez vu les conditions. Il y a du grésil, ça glisse. C'est vraiment, on a du mal à s'assurer et tout, donc on va arrêter là. Par contre, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais rabouter toutes les cordes et on va rejoindre le glacier qui est en bas et on va tirer une grosse main courante.
L'apprentissage de l'acquisition d'autonomie en alpinisme ne concerne pas que uniquement le volet technique. Il faut aussi que le guide aborde les notions de préparation de course, d'orientation, de cartographie, de secourisme. Il veillera à faire ça pendant le stage afin que les stagiaires puissent avoir la panoplie des outils pour pouvoir évoluer en sécurité en alpinisme. Thibaut, tu vas te mettre avec Mickaël, ok. Tous les deux, ça ne change pas. Ensuite, on va mettre Mathieu, tu vas te mettre avec Camille, ok. Et Élise, tu vas rester avec moi, ok. On fait comme ça. Et toi, Élise, tu passeras devant, comme ça. On verra en fonction des conditions, mais normalement, c'est ça l'objectif, tu passeras vraiment devant. Tout le matos, là, ça va? Vous avez... les dégaines, vous avez les coinceurs, coinceurs et freins, tu les as pris? Oui. Ça, c'est toi qui les as. Hein. Ok. Eric, moi, je me sens pas très bien. J'ai mal à la tête. J'ai pas bien dormi et je me sens pas très en forme. T'es vraiment très très mal? T'as envie de rester là ou... Non, je pense que je peux y aller, mais j'ai mal à la tête, je me sens un peu patraque. D'accord. Ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir avec moi. Comme ça, du coup, tu seras un petit peu plus tranquille. Et puis, Mathieu et Élise, vous êtes encore des autonomes. Tout ce beau temps, après cette bonne nuit en cabane, tip top. C'est beaucoup plus compliqué pour un guide de gérer le relationnel avec 4-5 personnes que d'avoir un seul client. Il doit garder la main sur la dynamique de groupe et surtout il ne doit pas se laisser embarquer par les aspirations d'un ou deux membres du groupe. C'est lui qui va garder vraiment la direction du stage en main parce que ça a une extrême importance sur le choix de la course. Il doit inclure une grosse marge horaire parce qu'avec des cordées autonomes, si on veut que ça soit pédagogiquement, il faut que les gens puissent être autonomes au maximum, qu'il y ait un minimum d'intervention du guide. Et puis aussi, au niveau technique, on choisit la course en fonction du niveau technique du plus faible du groupe. Et en fait, juste derrière toi, on voit les arêtes de Rochefort. Ah oui. Ouais, on voulait faire ça à la base. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le niveau. Voilà. Mais bon, on s'est bien rendu compte quand même, en cordée autonome comme ça, c'est quand même pas si évident. On prend beaucoup plus de temps, hein, les manips et tout. On est quand même 6 en tout. Ouais. Donc forcément, ça rallonge un peu la sauce. C'est une bonne course, c'est déjà un niveau plus intéressant, c'est sûr. Mais bon, on voit bien qu'à 6, on met beaucoup plus de temps. Donc c'est sûr qu'on va pas aller faire les arrêts de Rochefort. Par contre, la traversée Pointe-Lachenal, ça va être un bon challenge. D'accord? Vous allez vraiment vous mettre en situation et moi je serai plus là pour vous regarder, pour gérer si jamais il y a un souci. Mais là vous allez vraiment faire ça tout seul. Pour qu'on puisse maniper nous. Exactement, c'est l'objectif, c'est le but de l'opération. Ok, ce qu'on va faire ici, donc vous avez vu, il y a une belle rimée là. On va déjà passer dans un premier temps en corde tendue, donc on garde la même distance de corde au niveau du passage de la rimée. Ensuite, on installera un amarrage, soit sur le piolet, soit avec une broche, on verra, d'accord, en fonction de la qualité de la neige ou de la glace. Et puis, vous gardez bien des distances entre vous pour pas qu'on se retrouve tous groupés là-haut. Et puis ensuite, on verra comment on va évoluer, d'accord? Donc là, c'est parti. Sur la place du guide dans les cordées. Le guide ne sera pas toujours en tête. Il pourra peut-être de temps en temps s'intercaler entre les deux cordées afin d'avoir une vue sur l'intégralité de ces cordées et pour pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. Allez, vous restez bien corps tendu, d'accord? On fait vraiment attention, on se surveille, d'accord? Et puis bien les pieds dans les traces, bien les crampons à plat, tout ce qu'on a vu en cramponnage, ok?
continuez comme ça, vous vous voyez entre les cailloux. Pensez à poser les becquets. Voilà, un droite et un gauche. Ensuite, l'autre point très important que le guide doit veiller, auquel il doit veiller, c'est l'aspect communication. Donc ça passe, la communication, ça passe d'une part par des briefings clairs, réguliers, compris par tous les stagiaires. Camille, tu vas m'assurer, d'accord? Je vais mettre des points intermédiaires. Je mettrai systématiquement une dégaine dessus, avec la corde qui passera dedans. Mais aussi de la communication sur le terrain. D'où l'intérêt de l'utilisation de petites radios talkie-walkie. Donc il me prévient que le relais sera prêt. Donc toute la corde, et dès que moi je suis prêt, je te donnerai le top départ. Le relais est prêt, et la première cordée peut partir. Eric, là, je commence à être vraiment fatigué, là. J'ai froid, j'ai mal aux mains, mal partout. Ça devient trop dur. Ok, bah écoute, tu restes là où t'es. T'es bien, là, ça va? Ouais, pas tip top. Ok, je t'envoie une corde, d'accord? Tu bouges pas, je t'envoie une corde. Tu accrocheras bien le mousqueton à vis sur le pontet de ton baudrier. Ça? D'accord, ouais, voilà, exactement. Pontet du baudrier, et je te donnerai le top départ. Ok, d'accord. Tu l'as? Ouais. Ok. Vas-y, tu te l'accroches là? Ouais, c'est bon. Ok. Allez, j'y vais. Bon, comme vous me semblez un petit peu fatigué là, comme c'est la fin de journée, ce qu'on va faire ici, la pente est quand même assez raide. Déjà, ouais, déjà un peu plus raide. Donc, ce qu'on va faire, je vais installer un corps mort, d'accord? Camille, toi, tu vas descendre en premier. Moi, je vais te descendre 30 mètres de corde environ. Une fois que tu seras arrêté, donc tu te poseras. C'est bon, tu peux t'installer là? Ouais. Tu me fais donc un relais? Tu mettras une broche, deux broches, tu feras un vrai relais comme on a vu en glace la dernière fois. Et ensuite, vous descendrez en main courante sur la corde qui sera entre moi et Camille. Ok? Eh oh! Elise, t'es vaché? Ok, vous vous vachez là, comme ça je retire le corps mort. Bien passé, tu regrettes pas d'avoir pris ce projet là? Non, et puis en plus j'ai fait la réunion avec les stagiaires.
Ouais, ah d'accord. Donc, tu vois, ils sont tous contents. Content, d'accord. Puis je te remercie encore de m'avoir un petit peu freiné sur l'histoire de l'arrêt de Rochefort. Parce ça, je te le fais pas dire. Parce que je pense que j'aurais passé un petit moment, quoi. Ouais, moi je pense. Ouais, en fait, nous c'était très bien parce qu'ils étaient du coup. Puis c'est largement suffisant pour leur niveau. Écoute, ils étaient en autonomie jusqu'à un certain point où des fois j'ai dû quand même maniper. Et voilà, ils étaient super contents, j'ai fait la réunion avec eux, ils étaient contents, d'être en autonomie et de pouvoir vraiment progresser. Ouais, c'est quand même une course bon, de niveau pas très élevé, mais pour être autonome déjà, ben, c'est déjà assez difficile. Ouais, il y a des manips. Il y a des manips à faire, ouais. Ouais, c'est très bien.